Églantine Clocher, arrivée avec nos trois enfants en 2008 à Houston au Texas pour le travail de mon mari. J'ai refait mes études d'infirmière de bloc opératoire et depuis 2011, je travaille dans différents hôpitaux de Houston. J'ai repassé d'autres diplômes en 2013 et je suis maintenant à mon compte en tant qu'aide opératoire. Je suis engagée depuis de nombreuses années dans différentes activités associatives. J'ai été élue au suffrage universel direct comme conseiller consulaire pour une durée de 6 ans. Nous sommes des élus de proximité, nous représentons les Français établis hors de France, auprès des ambassades et des consulats. La troisième circonscription des États-Unis auxquelles nous appartenons comprend la Louisiane, l'Arkansas, l'Oklahoma et le Texas. Nous sommes consultés sur toutes questions concernant les Français de l'étranger, comme l'éducation, l'action sociale, les retraites, la sécurité, l'économie, la fiscalité et la santé. Nous sommes en quelque sorte le trait d'union entre nos compatriotes résidant dans la circonscription et l'État français, son administration et plus particulièrement ici avec le consulat de Houston. Nous nous réunissons au conseil consulaire au moins 2 fois par an. Nous participons aussi à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger avec qui nous avons une étroite collaboration pour répondre aux diverses questions de nos compatriotes. Nous élisons aussi des représentants qui siègent 2 fois par an à l'Assemblée des Français de l'étranger à Paris. Nous sommes des bénévoles à votre service. N'hésitez pas à me contacter pour évoquer les sujets qui vous préoccupent. Nous sommes là pour vous aider et pour faire le lien avec notre pays, la France. Merci.